esprit de sérénité et de pureté. Ô esprit, réponds-moi. Par Allah, je te pose une question qui m'attriste en me brûlant le cœur. Où est ta tombe, ô martyr? Où est la tombe du fils de l'Européenne? Tu tournes ta face vers l'est, dans la direction des marabouts. Et tu mets l'infâme croisé européen, fils de l'invective, derrière ton dos. Tueur du monothéiste vertueux et des bébés vivants dans les berceaux. Abatteur des arbres fruitiers et des palmiers. Démolisseur des mosquées et des chaires. Incendiaire des sanctuaires de marabouts. En 1852, les témoins de l'incident parlent de l'année des sacs. Ils parlent de l'année de désertion. Ces écrits sont français. Ils appartenaient essentiellement à des officiers supérieurs de haut rang et issus de leurs rapports de guerre. Ces derniers ont participé et supervisé le génocide des Lagouatis, ou autrement dit l'Holocauste de Lagouate. Le génocide des Lagouatis ou l'Holocauste de Lagouate a eu lieu le samedi 4 décembre 1852. Ce terme, qui est à la fois ancien et nouveau, est utilisé pour la première fois dans l'histoire moderne pour décrire les actes barbares commis par les troupes françaises à Lagouate. Le terme biblique, que leur dictionnaire cachait à l'époque, signifiait les sacrifices offerts au Seigneur dans le Lévitique et dans la Bible hébraïque, également appelé Tanakh dans l'Ancien Testament. Le terme a pris un nouveau sens 98 ans plus tard à Auschwitz après la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, les instances internationales lui ont donné un autre sens et d'autres dimensions. Ils ont introduit dans les traités internationaux les définitions de l'Holocauste et du génocide, et en ont conclu des conventions qui les définissent et les codifient. Le 9 décembre 1948, la Convention des Nations Unies définit précisément à quoi correspond le crime de génocide dans son article 2. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. E. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ces définitions sont identiques à la lettre aux événements qui se sont déroulés à Lagouate le 4 décembre 1852. Environ les deux tiers des habitants de Lagouate sont anéantis. C'était un génocide qui a été conservé en mémoire et transmis de génération en génération sous le nom de l'année de désertion. L'année de désertion, ou l'année des sacs, ou la résistance de Lagouate sont tous des synonymes d'un seul acte, qui est l'extermination d'un peuple. Ce n'était ni un acte isolé ni une folie commise par les officiers de l'occupation française. C'était la politique d'État de l'Empire français. Dans une lettre adressée par l'empereur Napoléon au criminel Youssef, l'un des généraux de la campagne de Lagouate, il le félicite pour ce grand acte, ce grand crime, pour cet holocauste. À savoir que ces crimes ont été bénis par l'Église catholique et c'est bien elle qui a explicitement incité l'armée française à les commettre.
Le célèbre journaliste et homme de lettres français Louis Veuillot, dans son livre intitulé « Les Français en Algérie, souvenirs d'un voyage fait en 1841 », a écrit que « Les derniers jours de l'islamisme sont venus, notre siècle est probablement destiné à le voir quitter les rivages de l'Europe, non seulement de cette vieille Europe qu'il a jadis envahie et si longtemps menacée, mais de cette Europe nouvelle et agrandie qui est née partout où l'Europe ancienne a porté la croix. Attaqué sur tous les points, le croissant se brise et s'efface. Dieu le refoule, il l'envoie, au temps marqué, périr dans les déserts d'où il est sorti. » La politique d'expansion coloniale menée par la France et les dirigeants français en Algérie depuis la campagne du général de Bourmont jusqu'à la Ve République, et qui a fait l'unanimité dans toutes les républiques, jusqu'au général de Gaulle, est celle d'expansion et de colonisation et de la terre brûlée. La politique d'État en Algérie reposait sur les actes génocidaires, rendus légaux par des lois, des décrets, des arrêtés et des directives, et exécutés par les officiers et les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir en Algérie. On peut dire que la stratégie française d'expansion et de colonisation en Algérie repose seulement sur la terreur et les déplacements forcés de la population. La France a élaboré des plans pour vaincre les foyers de la résistance partout en Algérie, afin de permettre à l'expansion de s'étendre rapidement et sans obstacle. Nous avons massacré des gens porteurs de sauf-conduits, égorgé, sur un soupçon, des populations entières qui se sont ensuite trouvées innocentes, nous avons mis en jugement des hommes réputés saints du pays, des hommes vénérés, parce qu'ils avaient assez de courage pour venir s'exposer à nos fureurs, afin d'intercéder en faveur de leurs malheureux compatriotes. Il s'est trouvé des juges pour les condamner et des hommes civilisés pour les faire exécuter. Le colonialiste français s'est fixé comme objectif de marcher vers l'Agouate et de l'occuper depuis le début de la colonisation. Il a organisé et planifié cette occupation en envoyant une expédition d'espionnage en 1844, dirigée par le général Marie Monge, qui a exhorté à tirer profit du califat de l'Agouate de trois façons. La première, pour soumettre tous les pays qui, au sud ou à l'ouest, sont indépendants ou hostiles. La deuxième, pour attirer vers Alger le commerce de l'intérieur, qui se dirige en partie vers Tunis ou le Maroc, la troisième, pour intimider les populations sur lesquelles s'appuie Abdelkader. Ce jour-là, Marie Monge a trouvé à l'Agouate la structure du sultanat avec toutes ses significations et ses attributs sous le règne du calife et du conseil de Shura, et il a été reçu en audience selon les considérations définies par le protocole. À l'époque, l'Agouate n'était pas, comme ils le prétendaient dans certains de leurs écrits, peuplés par deux tribus qui s'entretuent en raison de l'irrigation et du pâturage. Certes, les controverses entre ces deux tribus existaient, mais elles disparaissaient le jour où ils se sont rangés sous une même bannière pour repousser l'invasion. L'Agouate, au moment de la campagne Marie-Monge en 1844, était formée du Ksar Ben Bouta, le premier noyau du Ksar de l'Agouate réuni avec les cinq petits Ksour satellites, Boumandala, Nadjal, Sidi Mimoun, Bedla, et Kesba Ben Feto. Dans le Ksar Ben Bouta, on y trouve les Alafs dans le quartier E, les Ouled Serguine dans le quartier Ouest et les Ouled Sidi El Adjissa qui s'étaient établis sur les lisières sud. Quant à la grande tribu arabe des Larbaa, d'où le nom lui venait de sa division en quatre fractions, les Ma'amra, les Adjadj, les Ouled Salah et les Ouled Zid, elle était stationnée aux abords de la ville.
Lagouat était gouvernée par le calife Ahmed Ben Salem, qui était parvenu à réconcilier les tribus et les unir. Sous son règne, la ville a connu une sorte d'autonomie politique et de stabilité. Mais la France a monté sans relâche des intrigues et des complots compliqués et subtils pour attiser les conflits tribaux et le chaos à l'intérieur de la ville. Ahmed Ben Salem est le chef en charge de l'armée de résistance, Ben Nasser Ben Chora, chef de la tribu des Larbaa, savait parfaitement que la France envisageait d'occuper Lagouat, et c'était l'une des raisons qui les a poussés à concilier avec le général Marie Monge lors de sa campagne de 1844. Les habitants de Lagouat ont profité de la période comprise entre 1844 et 1852 pour fortifier leur ville et se préparer à l'avancée imminente des troupes françaises vers Lagouat. C'était le destin inévitable des habitants de Lagouat. Les pronostics des habitants de Lagouat étaient bien corrects. En 1852, après que la France se soit rendue compte que sa politique de la carotte et du bâton, visant à déstabiliser la ville, en semant la zizanie entre les tribus, n'ait pas porté ses fruits et elle a complètement échoué, et après que certaines tribus de Lagouat ont apporté leur soutien à leurs frères musulmans lors de la célèbre bataille de Zatcha, qui a eu lieu en 1849, entre les troupes coloniales françaises et les hommes de la tribu de Zatcha, et qui s'est soldée par la mort d'environ 1500 combattants musulmans, la France a décidé d'envoyer à Lagouat vers le début de l'année 1852, une autre force militaire dirigée par le général Paul de Ladmirault. Le général Ladmirault, dans son rapport, qu'il a soumis aux plus hautes instances des autorités d'occupation, a insisté sur la nécessité d'occuper Lagouat et de briser la résistance qui s'est étendue au sud de Vargla au sud jusqu'aux montagnes de l'Amour au nord-ouest et en arrivant aux frontières de Médéa, soulignant qu'elle menacera la présence française en Algérie dans son ensemble si elle poursuit son expansion. Cela a poussé le ministre de la guerre de l'époque, le général Saint-Arnaud, d'envoyer une force armée sous le commandement du général Yusuf l'Esclave, pour envahir Lagouat et briser la résistance. La grande campagne a commencé après avoir demandé l'aide du général Yusuf. Les forces qui ont commencé à arriver à Lagouat à partir du début du mois de novembre au 2 décembre provenaient de toutes les régions de l'Algérie occupée, et leur nombre a atteint plus que 4000 soldats issus de diverses armes. À noter que certaines sources parlent de 6000 soldats français. 5 différentes divisions ont été formées, l'infanterie, l'artillerie et les forces spéciales françaises connues sous le nom de Zouaves. Après le siège complet de la ville et le bombardement continu qui ont duré 3 jours de suite du 1er au matin du 3 décembre 1852, l'armée française est parvenue à ouvrir des brèches dans la muraille entourant la ville et y pénétrer, puis la terrible attaque terrestre a commencé. La résistance de Lagouat restera dans les archives de l'histoire mondiale en tant que résistance d'un peuple sans défense, ayant en main une seule pièce d'artillerie,
face à la force militaire la plus puissante de l'époque, avec ses généraux et officiers chevronnés et son armée lourdement équipée, composée de 4 bataillons d'artillerie. Malgré tout, cette résistance a pu éliminer le général Bouscarène et de nombreux officiers et soldats des forces spéciales françaises, et en blessant plusieurs autres soldats. La bataille de Lagouatte n'était pas une bataille conventionnelle au sens où des armes conventionnelles étaient utilisées, mais plutôt une sale guerre, dans laquelle des armes chimiques étaient utilisées. Des études locales ont confirmé que la substance utilisée lors de cette bataille est le chloroforme. La France a menti lorsqu'elle a affirmé qu'elle avait utilisé des armes chimiques pour la première fois pendant la guerre mondiale et qu'elle ne possédait pas de technologie des armes chimiques avant cette date, puisque les documents et les rapports français eux-mêmes réfutent ces allégations. Les recherches publiées à partir de l'année 1818 par le chimiste Guy Lussac, qui coopérait constamment avec le corps d'artillerie français dans le développement d'armes, indiquent une connaissance approfondie de la technique d'expansion des gaz. En plus de cela, il y avait des publications secrètes du ministère de la guerre français à l'époque sur la nature des gaz, leurs effets et les méthodes de prévention contre ces gaz. Toutes les conventions et traités que la France a signés qui prohibèrent sur la scène internationale l'emploi d'armes empoisonnées et de projectiles chargés de gaz toxiques, telles que les conventions de Bruxelles en 1874 et de La Haye en 1899, représentent des preuves tangibles que la machine de guerre française de l'époque était capable d'utiliser des armes chimiques et elle les a utilisées et testées à Lagouatte en décembre 1852. Les événements qui ont lieu au cours de l'année de désertion à Lagouatte témoignent des horreurs subies par les habitants de Lagouatte, que nous ne pensons pas que beaucoup de peuples aient subi. Lagouatte, après la désertion, est devenue une ville fantôme. Même les chiens l'ont désertée au détriment de leurs écrits, à travers lesquels ils ont tenté d'éclipser le nombre réel de victimes de leurs horribles massacres. Cependant, le seul nom, l'année de la désertion, dément toutes leurs affirmations. L'extermination à elle seule n'était pas le dernier chapitre de la souffrance des habitants de Lagouatte, où la mort était un moyen de se relâcher et de se libérer des graves souffrances qui les affligeaient. Le général Pélissier, ou « Iblis » qui signifie en arabe le diable, selon le langage des habitants de Lagouatte, ordonne la poursuite et le massacre des survivants où qu'ils soient, afin qu'il ne reste aucune trace de témoin oculaire de ces massacres, et du génocide qui a touché même les animaux, les vergers et les arbres, en les coupant ou en les brûlant. Ceux qui ont fui la ville et qui ont réussi à échapper à la mort ont été suivis par les forces françaises et furent égorgés, brûlés vifs, et même enterrés vivants. Oh, celui qui m'interroge sur l'année des sacs. La montagne Zabache te montre. Elle te montre la ruse de protection. Avec ces mots, la mémoire des générations a conservé les actes du général Yusuf, le bâtard et de son maître le diable et le criminel, le général Pélissier. Les officiers français, des criminels de guerre qui n'avaient point d'honneur, ont fait savoir aux survivants qui ont fui la ville que la France assurait leur protection.
Cependant, cela n'était qu'une ruse méprisable visant à les éliminer après qu'ils se livrent à eux. Le criminel Pélissier s'est servi de la même ruse auparavant en 1845 avec la tribu d'Ouled Ria dans les montagnes de Dara. Les prisonniers musulmans, parmi lesquels des hommes et des personnes âgées, même des enfants et des femmes, ont souffert plus que les morts, ils ont subi des atrocités, et étaient systématiquement torturés dans le camp de concentration d'Aefloo et dans les caves de ce que l'on appelle « Fort Bouscarène ». Les malheurs subis par les Lagouati, que leurs images obscures sont ancrées pour toujours dans leur mémoire, sont racontées de génération en génération. On raconte les tueries de masse, on raconte les incendies volontaires, on raconte les viols collectifs, on raconte l'exode forcé, on raconte la dépossession de biens et de terres sur ordre du gouverneur général. La souffrance des habitants de Lagouat s'est poursuivie pendant de nombreuses années, même après leur retour dans la ville pour s'y installer. Les effets de la désertion ont été transmis par les habitants de Lagouat de bouche à oreille, et leurs écrits l'ont enregistré. La désertion a même donné naissance à certaines coutumes, comme le perçage d'oreilles des mâles, par crainte qu'ils soient tués. Et le soleil se couche et le soleil d'un nouveau jour se lève sur Lagouat et ses habitants, même si ce jour était loin dans le temps du jour de désertion que s'est fait rester gravé dans les cuirs comme le fil de l'âme qui relie les habitants de Lagouat à leur terre, leur identité et leur religion. Le jour que ces effets gravés et ces preuves éloquentes ont historicisé le sacrifice et l'honneur, que seules les personnes honorables connaissent. Parle 10 heures et raconte à propos de l'année de désertion. L'année de désertion que ton nom vient de mes ancêtres. Tu as exterminé la moitié de la population, hommes et femmes. Toi qui as fait subir des souffrances à ma patrie. Tu n'as pas eu pitié de nos gens, même des enfants. Tu as abattu des arbres et tué l'ermite. Et tu as égorgé même le malade dormant. Lagouat connue est la lumière des campagnes. Tu as brûlé ses héros dans les sacs par le feu. Avec gaz chimique, ô ma tristesse. Trois quarts de la population parmi les braves a péri. L'histoire de la résistance a commencé avant ton arrivée. C'était avant les Turcs depuis si longtemps.